Bonjour à tous les amis, c'est Steam de PM, j'espère que vous allez bien, ça va bien. Et on est dans un nouveau jeu dans Minecraft qui s'appelle The Spooky Basement Horror Game. Voilà, alors c'est un jeu d'horreur, c'est pas du tout du Baldi en fait, bon, ça se voit pas. tu dis que c'est pas du Baldi, mais regarde le menu, c'est comme les autres jeux de Baldi Basics. Mais bon, je sais pas, est-ce que c'est vraiment du Baldi ou c'est différent. Bon, là, ça a pas écrit le jeu de Baldi, mais bon, bref. Alors, c'est un jeu d'horreur, en fait, le but, c'est de toi, voilà, il faut trouver le moyen pour s'échapper le basement. Regardez ça, trouver tous les clés, ce que tu veux. Il faut prendre plein de clés pour aller échapper le basement, pour gagner, voilà. Et c'est le jeu écrit par Redman, voilà, désolé. Désolé, j'ai crié, mais en même temps, je suis tellement stressée parce que, dans plein de jeux d'horreur qui me font flipper, voilà. Allez, on va commencer. Déjà, il faut aller en ça, sombre, et voilà. Il faut mettre en minimum, voilà. Pour faire le jeu d'horreur beaucoup plus stylé. Waouh, ok. On va commencer. Si vous voulez voir plus de vidéos, dites-le dans les commentaires. Je crée des vidéos pas tous les jours. Hein. Des fois, je crée 2, des fois, je crée 1 et des fois, je crée 0. Allez, on va commencer. C'est parti. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Là, il y a une porte, il y a des escaliers, ok. Oh, là, on est déjà loin. Là, c'est un peu trop fort. Ok. Ok. Oh! Oh! What? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais pourquoi il marche à l'envers? Allez. Oh non, non, non! Qu'est-ce que c'est que ça? What? Oh. Non! Oh! Oh! Je suis confus! What? C'est quoi ça? Là, il y a des trucs et tout. Ok. Ça, c'est pourquoi? Ok. Là, il y a des bibliothèques, ok. Je suis confus, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est? Là, il y a un canapé. Oh! 8, 15, moins 16. C'est un code? Non, mais sérieux, mais j'ai pas donné un code, hein. Est-ce qu'il vient? Oh non, non, non! Oh, dépêche-toi, plus vite! Ok. Oh, mon dieu, il est rapide! Oh mon dieu! Oh non, non! Oh, what? Il m'a fait. Comment ça se fait? Il fait quoi là? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oh! Oh mon dieu! Qu'est-ce que je dois faire? On doit se cacher ou... Oh, oh. Je suis confus maintenant. Je suis confus. Allez. Là, il y a quoi? Là, il y a rien. Là, il y a une porte. Wow! Bon, bah, on va commencer, hein. Ok, alors, j'ai rien compris qu'est-ce qui s'est passé. Là, je me suis fait tuer par un monstre. Est-ce que... Normalement, il pourrait me tuer, mais. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je sais pas, je comprends pas qu'est-ce qui arrive. Là. Oh! Oh, il m'a. Waouh, la violence! Il m'a one-shot en un coup! Oh, bon, en vrai, c'est mieux que d'être empoisonné, parce que quand t'es empoisonné, c'est un peu chiant. Mais là, les monstres, ils peuvent nous one-shot! Ah, il a peut-être donné force 1000. Voilà. Parce que moi, je sais un peu Minecraft. Moi, je sais beaucoup Minecraft. Parce que ça fait 1 milliard de fois que je joue à Minecraft. Non! Oh. Non, attends. L'autre journée, il m'a même pas tué. Je suis confus maintenant. Ok. En fait, il me suit pas, en fait. Il se balade dans les couloirs. Oh non. Plus vite! Non! Allez, cache-toi! Plus! Oh mon dieu. Ah, c'est quand j'ai compris. En fait, quand il lève le bras, ça veut dire qu'il est prêt pour attaquer. Mais là, il a pas le temps de m'attaquer. Oh, là, il avait le temps. Désolé, je me suis corrigé moi-même. Voilà. Allez. Bon, j'ai rien compris qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais que maintenant, le vindicateur, il se balade dans les couloirs. Bon, là, il était pas prêt à me toucher. Alors là, il a pas réussi à me toucher. Voilà. Je suis confus. Attends, on va essayer le troll. Voilà. Comme ça, il sait pas où il attendait même pas où j'étais. Voilà. Oh mon dieu, mais il arrive super vite! Mais comment il fait? Ok. J'adore le concept. En fait, là, tu dois maintenant se cacher avant qu'il te suive, en fait. Allez. Oh, c'est bon, il avait le temps. J'avais le temps.
Voilà. C'est trop stylé, tu dois te cacher avant qu'il te touche. C'est trop stylé. Oh, je suis proche. Je croyais qu'il me tue parce qu'il était proche. Un levier. Oh, c'est peut-être pour le basement. Attends, on attend que le 24h passe. Voilà, c'est bon. Allez. Bonjour 24h, comment ça va? Oui, ça va bien. Ah d'accord, c'est les bugs de pression qui le fait fonctionner en fait, c'est ça. Oh, trop stylé. Mais comment je fais? Mais il arrive super vite. Ok, on va pas entrer dans cette porte parce que il y aura toujours le mec qui veut nous tuer. L'espèce de tête de dragon, quelque chose. Oh là là, j'ai pris trop de temps. Ok. Ouh là là. Allez, plus vite, plus vite. Ouh. Ok, ça doit être pour le basement. Non, c'était pas pour le basement, ça aurait été trop facile. Non, c'est, j'avais raison. Ok. Là, il y a le 24h, bonjour. Et voilà, il se téléporte. Voilà. Là, le zombie vient. Ok, il vient. J'espère qu'il peut pas me tuer par là. Oh, ok. Au moins, il peut pas me tuer par ici. Oh! Ici, il y avait pas un bouton avant. Alors, c'était si. C'était ça, c'était pour ça. Ok. We unlocked. Ok, on a débloqué la porte. Oh, oh! Ok. Bonjour, zombie. Comment ça va? Il m'a répondu en plus. C'est vraiment ça, un pote. Alors attends. 6 minutes? Ok. On va passer là. Hop là. Attends, on va se mettre là. Désolé. Voilà, c'est bon. Ok. Là, il nous a passé. Des fois, il peut nous toucher. Ça, c'est pas cool. C'est où? C'est où? Est-ce que c'est pour le basement? On sait pas. Ouh là là. Ok, non, 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 non. Non! Allez, dépêche-toi! Plus vite! Mets-toi dans... Oh! Oh là là, il a fait me toucher, ce coquin, là. Ok. Allez. Okay. Il bouge bien. Bon, même s'il recule un petit peu, en mode... voilà, je sais pas, il fait des mouvements comme ça. Ok, c'est bon. Oh! Ici, il y avait une panne de pression, avant. Ah, ça a disparu, alors. Ça veut dire que c'était ça. Là, il faut... Là, il... Oui, après. Oh, oh, il y a un bouton. Levier. Oh, ok. J'ai bien fait d'attendre. Okay. Là, c'est pour quoi, là, maintenant? Attends. Oh, on va retourner là-bas. Est-ce que c'est... Oh! C'est tout? C'est déjà fini? Oh. Ok. What? On est à l'extérieur. On s'est échappé du basement. À quoi? Oh, new win! On a réussi le jeu. Waouh, c'était super cool. Ok, on va se mettre en spectateur. Voilà, on va se mettre en spectateur. Bah ouais, pour toujours voir la map. Waouh, elle était cool la map. Un peu court, mais bon, bref. Et ben voilà, les amis, c'était The Spooky Basement. Franchement, c'est vrai, c'était pas du Baldi, c'était juste plus un escape game où tu dois prendre les clés et tu dois échapper. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, c'était Steven Pem. La note, je vais mettre un 9 sur 10, il était cool. Bon, c'était un petit peu facile, mais bon, voilà. C'était original comme concept. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, dis-le dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt, amis. On se met comme ça. Au revoir!